réunis ce soir autour d'un livre et d'un anniversaire, ou plutôt d'un anniversaire qu'on a choisi d'accompagner avec un livre. C'est ce qu'on sait faire de mieux chez Guérin, en fait, et notamment notre belle collection Textes et Images. Et donc voilà, c'est ce livre qui va nous accompagner ce soir. Pourquoi ce livre, donc ce roman des guides? Parce que les guides, et en particulier les guides de la compagnie des guides de Chamonix, sont liés de très près à l'histoire de notre maison d'édition, qu'un certain nombre de ces guides ont même été admis à notre tour de rôle d'auteur. Parce qu'une institution qui fête ses 200 ans, ça ne court pas les rues, surtout quand on habite à 200 mètres. Michel Serres disait que la montagne a inventé la cordée comme la mer a inventé le bateau. Alors, le bateau, je ne sais pas, qui a inventé, c'est assez ancien, mais la cordée, c'est beaucoup plus récent, et je crois qu'on peut être un peu plus précis que Michel Serres, on peut dire que la mer a inventé le bateau, mais que les guides ont inventé la cordée, et les guides, c'est beaucoup ici, dans cette vallée, au pied du Mont-Blanc, que cette histoire s'est passée. Ce métier de guide, donc, est né ici, dans cette vallée, c'est codifié ici, c'est développé ici. C'est une invention mondiale dont la vallée peut être fière et elle s'en prive pas puisque vous savez que c'est une histoire très étroitement liée à la vallée. Jusqu'au 20 mai 1930, un étranger ne pouvait pas être admis à la compagnie et les Chivres n'y entraient pas, comme vous savez, les Chirves, pardon. Et comme vous savez, les Chirves, c'est une tribu lointaine qui vit à Servoz, à 8 km d'ici. Cette histoire, donc, qui est très très locale, elle embrasse quand même l'ensemble du pays et même le monde entier, puisque les guides de la compagnie sont partis aux quatre coins du monde dès que c'est devenu possible, et même souvent un petit peu avant que ce soit possible, et que la compagnie a été prise comme modèle partout. Voilà. Donc voilà l'histoire passionnante dont s'est emparé Gilles Chapaz. Célébrer ce bicentenaire pour les éditions Guérin, c'était une évidence. Alors, joyeux anniversaire et longue vie à la compagnie des guides de Chamonix. Encore quelques mots sur ce guide, sur ce livre, ce bel objet donc, qui sera au centre de nos échanges ce soir. Notre souhait dès le début de l'aventure était qu'il témoigne de la richesse de cette histoire, de toutes ses ramifications. C'est une histoire complexe que le livre explore toutes les branches de cet arbre touffu, toutes ces histoires, tous ces acteurs qui, en deux siècles et même un peu plus que deux siècles, ont défini le métier de guide et que ce livre nous aide à le redécouvrir, à le découvrir ou le redécouvrir. Voilà. Gilles Chapaz l'a imaginé sous la forme d'une chronologie foisonnante dans laquelle on vous invite à vous perdre, à vous retrouver selon vos envies du moment. Et c'est dans cette histoire que nous allons nous replonger ce soir. Je voulais remercier tous ceux qui ont contribué à ce livre. Merci à Christophe Rella et David Ravanel qui l'ont mis sur les rails il y a bien longtemps. Merci à tous les guides qui ont aidé Gilles Chapaz en fouillant dans leurs souvenirs et leurs albums photos. Merci à Catherine Cueneau qui a réalisé un magnifique travail d'iconographie en dénichant les photos, les documents, les gravures, toutes ces images qui rendent l'incroyable richesse de cette histoire et dont vous allez voir une partie ce soir un petit peu plus tard. Merci à Jacques Cueneau qui était aux côtés de Catherine très souvent. Et merci à Stéphanie Tizi qui a réalisé la maquette du livre que vous aurez l'occasion aussi de découvrir un petit peu. La soirée se déroulera en deux parties. La première partie sera consacrée plutôt à l'histoire avec trois invités et la deuxième partie plutôt au métier de guide aujourd'hui et demain. On essaiera de ne pas être trop bavard pour laisser un petit temps d'échange à la fin de la soirée pour des questions et un échange avec les invités et Gilles. Voilà. On va commencer cette soirée par un film qui est réalisé par Gilles Chapaz et que je vous laisse découvrir. Mais la montagne, c'est quoi la montagne? Moi, je sais pas, je suis, enfin, je sais pas quoi te répondre là-dessus. On va dire toujours la même chose, c'est pas un métier, c'est une vocation, et patati patata. Mais c'est bien plus que ça. C'est la curiosité d'aller voir, je dirais, ce qu'il y a derrière la montagne, quoi. «
c'est se retrouver dans un milieu où chaque geste ou chaque décision emmène à la liberté. J'ai compris que le métier de guide, c'était ça, quoi. C'était d'accompagner des gens dans leurs rêves a priori inaccessibles. Le silence et la vision sont quand même extraordinaires. Tu regardes, pas besoin de parler. Notre objectif premier, c'est de leur ouvrir un univers extraordinaire auquel ils n'ont absolument pas accès. Et c'est à travers ce rêve que tu vas communiquer aux gens, c'est à travers cet esprit de solidarité et d'ouverture que tu vas conserver l'essence même de la compagnie Ligue. Tu vas conserver l'esprit, il faut le garder. D'y aller parce que c'est un espace de liberté, parce que c'est grandiose, parce qu'on se sent vivre en montagne. Voilà! Youpi! Top! La montagne, elle te donne tout l'amour, toute la passion et toute la beauté de ce que ça représente. Guide, tu veux faire de l'alpinisme dans les règles de l'art. C'est ça là, le résumé de la chose. Si les yeux de ton client y brillent, c'est parce que t'es au sommet. C'est quand il est au sommet qu'il est content, parce que tu viens de partager quelque chose d'unique. Faire le plein un peu là-haut de sensations, de un peu de solitude, et puis revenir avec plaisir dans le monde des hommes. Je crois que cette petite alternance-là, elle est assez plaisante.
de savoir qu'on rejoint la grande famille et qu'on continue cette tradition, c'est une chance incroyable hein, au XXIe siècle de pouvoir participer à cette aventure. Bonsoir Gilles, on peut peut-être s'asseoir, non ? Eh bien, essayons-le. Ouais. Alors, ben, peut-être avant même de te présenter, on est tous, je crois, estomaqués par ces images, en tout cas ceux qui les découvriront comme moi. Comment on imagine et comment est-ce qu'on organise un tournage, un plan comme ça ? Ben, ce plan, on l'avait écrit, je l'avais écrit un peu dans ma tête. Et puis après, j'en ai parlé à certains guides, notamment à Marc Serreuil, et puis à Jean Fécoutet, qui est dans la salle. Et on a essayé d'organiser ce plan, c'est ce qu'on appelle un plan séquence, c'est-à-dire que l'hélicoptère, parce que c'est fait d'hélicoptère, s'en va. Il y a deux hélicoptères, en fait, il y a un hélicoptère qui s'occupe de la manœuvre avec la caméra, et puis un autre où il y avait Jérôme Ruby qui était là pour donner les ordres, pour coordonner avec tous les guides qui étaient répartis sur les sommets. Donc il fallait que les guides soit au sommet, qu'ils attendent, qu'on discute avec eux, et qu'au moment où l'hélicoptère arrivait sur eux, eh ben, fasse le mouvement qu'on attendait, à savoir un lancer de corde, ou à savoir un petit mouvement, quelqu'un qui love la corde, etc. Donc tout ça a été écrit, calé, il a fallu qu'il fasse beau, il a fait beau, il a fallu que les guides participent, ils ont participé, notamment il y a Fanny Schmutz qui était au fou, là on l'a vu un peu furtivement. Puis après il a fallu que le pilote d'hélicoptère, le cadreur, se cale. Et en fait on a fait que deux passages, et ces deux rotations, on a pris le meilleur plan sur les deux rotations, et on a gardé ça, voilà. Et ça nous semble être assez symbolique de ce que est le métier de guide, de ce qu'est la montagne, et de ce que aussi bien la compagnie des guides que tous les gens qui aiment la montagne ont envie de vivre et de voir. Et de ce que la compagnie peut réaliser aussi, parce que organiser, synchroniser cette opération, c'est pas évident, non ? Que tout le monde. C'était pas forcément une démarche de la compagnie, c'était une démarche de guide de la compagnie. J'ai une petite nuance. Voilà, et qui existe toujours. C'est-à-dire qu'il y a les guides de la compagnie et il y a la compagnie des guides. Donc je fais, à mon niveau, je fais un peu la différence, si vous voulez. Voilà. Mais c'est parce que les guides ont participé, et ça, c'est leur savoir-faire. Voilà. C'est vraiment leur savoir-faire. Arriver à se coordonner, à faire tout ça sans répétition, évidemment, on n'a pas de répétition, on n'a pas droit à l'erreur, et ça a marché du premier coup. Il faut reconnaître que ça demandait beaucoup, beaucoup de professionnalisme de la part de tous, y compris des cadreurs et du pilote d'hélicoptère qui est décédé très peu de temps après, un accident sur une remontée mécanique à Serre-Chevalier. Mais ça a demandé beaucoup de professionnalisme, oui. Ça, c'était juste un fantasme de ma part, au départ, que j'écris. Je dis, ça serait bien qu'on fasse ça. Puis après, bah, faut arriver à le réaliser. Et là, c'est vrai que les guides, ils m'ont donné un sérieux coup de main, quoi. Eh bien, bravo, je crois qu'on peut vraiment applaudir ce plan, parce que c'est... Alors Gilles, tu es un enfant de la vallée, comme on dit, fils d'un guide, ouais, d'une maman championne de ski, ouais, et tu as pris un autre chemin, tu as été vers l'écriture, le journalisme, la réalisation de films. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gamin de la vallée ? Alors je crois qu'on le voit là en compagnie. Elle est en compagnie de Xavier. Voilà. Gilles à gauche, Xavier à droite. C'est mon frère jumeau, Xavier.
On avait gagné le concours du Figaro le jour-là. Maman nous avait décoré comme elle avait pu. Et puis on avait fait une cordée. Et cette cordée, eh bien, elle existe toujours aujourd'hui. C'est une cordée qui est solide. Même si on a pris des chemins un tout petit peu différents, mais la corde, elle est toujours là. Et j'appelle ça la cordée ombilicale. Je trouve ça assez joli. J'aimais bien cette formule-là. Et voilà. Et c'est nos parents qui, forcément, nous ont mis le pied à l'étrier. Maman est chamoniarde, c'est une Simon, et Simon à Chamonix c'est Dupont, hein. Donc elle est de plusieurs générations de Simon, et mon papa est un homme qui venait de Torrent-l'Aiglière, c'était un paysan, un pâtre, mais un vrai montagnard, qui est venu dans la vallée, qui a épousé une chamoniarde, et puis qui a pu rentrer à la compagnie des guides, parce qu'il avait épousé une chamoniarde, parce qu'il était quand même relativement étranger, en étant de Torrent-l'Aiglière, c'est quand même à 60 km d'ici, 70 km d'ici. Donc c'était, tu l'as dit tout à l'heure, les chires, ils avaient de la peine à rentrer, alors je te parle pas des gens qui venaient de Torrent-l'Aiglière. Ça a été assez difficile, voilà. Et puis on a grandi dans ce milieu-là. Xavier est devenu guide, voilà. Il est même président de la compagnie des guides. Xavier a choisi ce métier-là. Moi, j'ai plein de copains. Il y en a qui sont dans la salle que j'ai vu. Il y a des gens qui jouent du cor maintenant, comme Treza et comme Albi. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait Hervé Tivierge qui était là, des gens de notre âge, qui ont donc pas loin de 70 ans maintenant. Et on a grandi avec la montagne dans le sac à dos, quoi. Voilà. Mais j'ai pas choisi ce métier-là, c'est parce que Xavier tient la corde. Parce que Xavier est déjà tête de cordée, donc peut-être que je voulais peut-être pas être deuxième de cordée. Non, c'est pas du tout ça. C'est que très sincèrement, c'est un métier pour lequel j'ai énormément d'estime. Les guides m'impressionnent et je me sentais pas capable de faire ce métier-là. Et parce que je suis devenu moniteur de ski assez facilement, mais moniteur guide c'est un tout autre métier. Et puis je crois que ma maman. Ça nous a assez marqué quand on était gamin. Mon père a fait beaucoup de secours en montagne. Il était souvent en montagne, il n'y avait pas le téléphone à l'époque. Je crois que ma maman était très souvent au sans-coup. Quand mon père avait du retard, elle avait perdu un beau-frère en montagne. Il y a eu des accidents, évidemment. Donc elle avait préféré... Enfin, nos parents ne nous ont pas poussé à devenir guide. Et Xavier, c'était plus fort que lui. C'était l'atavisme qui a parlé. Il est devenu guide. Moi, j'ai peut-être pas eu la moelle. Et disons que tu as aussi trouvé ta voie, puisque en deux mots, hein, tu as été rédacteur en chef de Montagne Magazine, Vertical, Ski Français, chef d'édition à Montagne de France 3, consultant à France Télévisions, directeur des rédactions chez Glénat, chroniqueur à Libération, au Monde, à TF1 et rédacteur en chef à l'équipe Mag. Mmh. Donc finalement, c'est une voie qui t'a plutôt... Qui mène à la retraite, voilà, ouais. Je suis retraité maintenant. D'accord. Et donc aujourd'hui, la retraite, mais toujours des livres et des films. Oui, on est là pour parler. On va arrêter de parler de moi. On va parler non pas du livre, oui, parce qu'on est là pour ça, mais on va surtout laisser la parole aux guides qui sont là, qui vont parler du métier de guide d'avant et d'aujourd'hui. C'est en fait le livre, il est un prétexte à vous parler du métier de guide, à parler du métier de guide. Et ce livre, ben c'est toi et d'autres qui me l'ont confié. J'avoue que j'ai été assez hésitant au départ. Je trouvais que c'était une tâche assez lourde qui allait m'incomber de faire ce livre. Et puis il y a une cordée qui s'est formée avec toi, avec Catherine Quenot qui a tout de suite dit OK pour faire la recherche Icono. J'ai sollicité un certain nombre de guides qui ont accepté. On aurait aimé se marier avec la compagnie des guides, mais le mariage n'a pas eu lieu. Mais ça fait rien. On a quand même sorti ce bouquin. Et j'en suis très fier. Et je reçois pas mal de petits signes de gens qui l'ont lu, qui le lisent. Certains diagonal, d'autres plus sérieusement. Et je crois qu'on ne s'est pas trop trompé. Merci à toi. Il y a de quoi, comme je disais tout à l'heure, s'y perdre ou s'y retrouver. Et donc, vous allez voir défiler pendant une partie de la soirée des images qu'a choisi Catherine Quenot, avec parfois les titres du livre, et ça donne une idée. Ça, Gilles, tu as choisi de construire le livre sur de façon chronologique, mais avec des dates qui ne sont pas forcément les dates attendues et traditionnelles, avec un regard très, très singulier. Ce que je voulais te demander tout à l'heure, c'est qu'un livre, ce n'est pas un plan séquence, c'est 400 pages, 80 000 mots. Comment est-ce qu'on choisit ? Comment est-ce qu'on décide de conduire
le lecteur dans cette longue histoire? Le titre, très curieusement, il nous a paru assez évident au départ, c'était le roman des guides. Le roman, pourquoi? Parce que ça me laissait une certaine latitude, je dirais, à raconter l'histoire. Alors, tout est vrai, mais de temps en temps, c'est un tout petit peu enjolivé. Voilà. Ou pas. Donc, c'est aux gens de découvrir ce qui est vraiment vrai, ce qui l'est un tout petit peu moins, mais tout est juste. Et on a choisi les dates un peu en fonction de nos ressentis, enfin de mes ressentis par rapport à l'histoire de la montagne et par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc il y a des dates qui me semblent très importantes dans l'histoire de la montagne, plus que de la compagnie. Et puis il y a des dates qui me semblent très importantes pour le métier de guide. Puis il y a des dates qui sont beaucoup plus anecdotiques, mais qui me permettaient de traiter des thèmes comme les guides et la religion ou les guides et la manière de se refaire la santé, par exemple. Voilà. Et il y a une expression qui est revenue très souvent quand on a parlé du livre, c'est que tu ne veux pas confisquer la parole. Ah, pas du tout. Alors, ça a été... Il y a beaucoup de références à ce qui a été écrit. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. Je suis allé voir un peu dans les bibliothèques, dans les bouquins, etc. Et puis, pour tout ce qui est actuel, j'ai donné la parole au guide. C'est pas moi qui m'exprime, ce sont, alors évidemment je m'exprime à travers eux, mais j'ai donné la parole aux guides et j'ai demandé à pas mal de guides. Certains n'ont pas accepté pour des raisons, je dirais, politiques, locales, et d'autres ont accepté, et je les en remercie, mais vraiment du fond du cœur. Et ils ont pris la plume pour que leurs idées, elles soient fixées, qu'elles soient écrites et que moi je ne les trahisse pas. Et là je dois remercier Christophe Profi qui a accepté de faire la préface. Pour moi, c'est un grand honneur, parce que Christophe, il écrit beaucoup, mais pas beaucoup pour le public, il écrit beaucoup pour lui et pour ses amis. Et voilà. Et après, j'ai Fanny Schmutz, que vous verrez ici, qui a accepté de faire la postface. Je crois que c'est intéressant que ce soit une femme guide, jeune, et qui a fait ce choix de vie. Donc j'ai sollicité quand même pas mal de gens. Voilà. Et c'est ce qui nous a guidés pour, je vais arrêter de dire guider après, pour cette soirée, c'est de donner la parole. Hein, donc on va. Voilà, alors tu peux les appeler et moi je vais même voilà, m'effacer. Lorraine va venir sur scène pour lire un extrait du livre. Elle viendra trois fois pendant la soirée et puis on appellera ensuite les premiers invités. Lorsque Horace Bénédict de Saussure débarque pour la première fois à Chamonix en 1760, ce sont les chasseurs et les cristalliers qui forment l'élite des montagnards, la confrérie des solides. Car il en faut de la hardiesse et du courage pour partir chasser les cailloux dans des coins de plus en plus inaccessibles, tellement les cachettes traditionnelles se tarissent. Oui, il en faut pour oser passer des nuits glaciales blotties sous une pierre au pied d'aiguilles austères hantées par quelques génies malfaisants. Oui, il en faut du jarret, de la patience, de l'opiniâtreté et de l'agilité pour aller à la rencontre des bêtes sur des terrains escarpés, sans cordes, avec des croquenots cloutés et des mains abîmées pour seule assurance. Mais à quel prix ? L'apport des cristaux est bien dangereux, constate Saussure. Il ne se passe pas d'année dans l'espérance de s'enrichir d'un coup où il ne prend des hommes dans les glaces et les précipices. Et cette chasse enlève souvent à la fleur de l'âge des hommes précieux pour leur famille. La passion vaut-elle qu'on y perde la vie ? Saussure, mais également La Rochefoucauld d'Anville, les frères de Luc, le pasteur d'Antan et un certain Bourrit vont faire naître des vocations. Ces premiers voyageurs, scientifiques ou artistiques, désireux d'explorer la montagne, pour le dire, enfin la dire et la montrer, deviennent en effet une proie plus facile, l'espoir d'un avenir plus aisé pour les paysans, les chasseurs, les cristalliers ou les désœuvrés. Faire le guide pour les plus délurés est une bienvenue activité de substantition pour mettre un bout de thon dans la soupe, expression locale pour le beurre dans les épinards. Il n'est question alors, contre rétribution sonnante et trébuchante, que d'accompagner en sécurité les voyageurs sur les chemins d'altitude, de leur apprendre les secrets de la marche en montée comme en descente, et de les aider à vaincre vertige et angoisse. Pas encore un métier à part entière, mais une occupation rémunératrice sans véritable risque. C'est évidemment, parmi les chasseurs et les cristalliers, facile à identifier que les voyageurs trouvent leur guide.
Ils portent sur leur physionomie, écrit Saussure, l'empreinte de la vie qu'ils ont menée, un air sauvage, quelque chose de hagard et de farouche, les fait reconnaître au milieu d'une foule, lors même qu'ils ne sont point dans leur costume. Donc Jean-Franck Charlet, on va commencer, puisque le dernier extrait, le premier extrait lu par Lorraine se termine par une évocation des cristalliers, vue par Saussure. Donc vous êtes fils, petit-fils, arrière-petit-fils, je m'arrête là, peut-être de guide. Six générations. Et encore arrière et arrière. Oui. J'ai le grand-père de mon arrière-grand-père qui était sur la liste de 1824. Et après, du côté des Coutais, j'ai la même chose, parce que j'avais une grand-mère Coutais. Donc, une mais vieille, on est de nombreuses familles dans ce cas-là à Chamonix. Une très vieille lignée qui se continue, puisque tes deux fils sont cristalliers. Oui, et guide d'autres montagnes. Par ailleurs. Et donc, Jean-Franck, tu t'es échappé, on m'a dit, de la vallée pour aller faire des études aux arts et métiers. Et puis, tu as été repris, finalement. Qu'est-ce qui fait qu'on... Tout petit, moi, dès l'âge de 15 ans, je savais que j'allais faire guide d'autres montagnes, que j'allais consacrer ma vie à la montagne. Et puis, ça marchait pas trop mal à l'école. J'avais une curiosité scientifique, donc j'ai fait Maths-Sup, Maths-P, une école d'ingénieur. J'ai essayé de travailler 6 mois comme ingénieur, puis j'ai bien vu que c'était pas ça. Donc, je suis revenu à Chamonix avec mon piolet, mes crampons et mes cordes, et j'ai décidé de faire que guide. Et en même temps, j'ai cette passion de recherche de cristaux que mon père m'avait passé, mon grand-père, depuis longtemps. Donc, j'ai fait les deux. Et ensuite, j'ai triché un petit peu, puisqu'il demandait un guide ingénieur à l'ENSA à Chamonix. Au bout de 10 ans, peut-être j'avais fait un peu le tour du métier de guide, ou peut-être j'avais besoin de me stabiliser différemment. Et donc, j'ai accepté, j'ai créé un laboratoire d'essais de matériel de montagne au sein de l'École nationale de ski d'alpinisme de Chamonix, tout en restant guide et en restant cristallier, en faisant un peu tout. Donc ça, c'est très contemporain, mais donc... Saussure, il identifie les cristalliers comme les premiers guides. Il est certain que l'histoire de l'alpinisme, on dit que ça part de l'ascension du Mont Blanc en 1786. Avant, il y a ces fameux Anglais, oui, Dan and Coppock, qui arrivent à Chamonix en 1741, qui écrivent sur leur voyage. Et Chamonix est lancé au niveau touristique. En 1942, il y a un autre Genevois qui passe, s'appelle Martel. 20 ans plus tard, il y a 2 Saussures qui arrivent à Chamonix, qui se passionnent pour les sciences et qui se passionnent... pour ces hauts sommets, ce Mont Blanc, cette grosse toupinière qu'il voit depuis Genève, toute blanche. Et de Saussure, quand il arrive à Chamonix, il invente l'alpinisme, puisqu'il dit « je donne une prime à celui qui m'amènera au sommet ». Il veut faire des expériences scientifiques depuis le sommet du Mont Blanc. Et là, il passe quand même 26 ans avant que les Chamonnières ne réussissent le sommet du Mont Blanc. Ce qui est quand même une période assez longue. Bref, de Saussure est quand même relativement encore jeune, et il arrivera l'année suivante quand même à faire le sommet du Mont Blanc. Et en même temps, si tous les premiers guides, là, quand on prend de 1760 à 1786, tous les premiers accompagnateurs sur les glaciers, etc., des touristes, qu'on appelait voyageurs à l'époque, bien, ils sont cristalliers. Là, c'est vraiment unanime, ils sont tous cristalliers. C'est-à-dire qu'ils ont tous déjà été en haute montagne pour chercher des cristaux. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait aucun intérêt à aller en montagne, sauf de perdre des journées d'été précieuses où il fallait cultiver, s'occuper des vaches, des chèvres, s'occuper de rentrer la nourriture pour les rigueurs de l'hiver qui vont suivre. Donc, ils avaient vraiment autre chose à faire que d'aller se balader sur les glaciers où il n'y avait rien. Et s'ils y allaient, c'est qu'il y avait justement des cristaux, que les cristaux, ça se vendait, qu'il y avait un véritable commerce de lancer. On a des données là depuis 1615, où régulièrement, donc ça fait quand même 2 siècles et demi avant la première ascension du Mont Blanc, les gens, on sait, vont sur les glaciers, vont en haute montagne, vont taper le rocher, les veines de quartz, ramènent des cristaux, etc. Et tu as conscience quand tu reviens, ou j'imagine que tu as commencé assez tôt à aller en montagne pour chercher des cristaux, est-ce que tu as conscience d'être... porteur issu de cette lignée très ancienne, ce geste d'aller en montagne pour chercher des cristaux et éventuellement de guider d'autres qui veulent y aller, c'est quelque chose de très ancien, non ? Oui, bon, c'est une conscience, mais en même temps, il s'est trouvé, je ne sais pas par quel hasard, que j'ai eu cette passion pour le renne minéral, de trouver ces cristaux, ces diamants parfaits, comme ça, dans la haute montagne, dans ce fatras de rochers. Parce que quand vous voyez les aiguilles de Chamonix, c'est encore relativement stable, vous voyez comme c'est fissuré. Là, on va chercher les cristaux, c'est 10 fois plus fissuré que ça, donc ça ne ressemble pas à grand-chose. Et tout d'un coup, au milieu de ce fatras de rochers, vous avez des diamants qui brillent et des cristaux. Donc, je ne sais pas pourquoi, ça m'a toujours passionné et étonné. Et en même temps, c'est un atavisme familial, puisque
à la maison, que ce soit mon grand-père ou mon père, il y a toujours eu des cristaux à la maison. Et cette passion et cette curiosité t'a amené très loin, puisque tu nous as raconté, je peux dévoiler quand même quelque chose, c'est que Jean Franck est également un futur auteur Guérin. On publiera l'année prochaine un livre sur les cristaux de Jean Franck, et il nous a raconté un des chapitres de ce livre, ce sera une découverte au Népal et au Pakistan des collègues finalement qui vont chercher des cristaux. Après, évidemment, comme j'ai pas mal voyagé après avec mes clients à travers le monde, j'étais intéressé à chaque fois dans les voyages de voir ce qui se passait au niveau de la minéralogie et de la recherche des cristaux. Et j'étais passionné de rencontrer les mêmes gens. Quand on va au Népal, on se retrouve avec des chercheurs de cristaux du 16e ou 17e siècle à Chamonix, avec des barres en bois un peu ferrées, avec très très peu de matériel. Au Pakistan, c'est un peu plus sophistiqué, mais quand même, ça reste très rudimentaire. Au Brésil, ça, c'est les pelles mécaniques et la dynamite, etc. Donc, c'est un peu différent. Mais, et d'autres endroits encore, j'ai eu plaisir à retrouver un peu tous ces gens avec lesquels je me reconnais, puisqu'ils sont aussi pris de cette passion de la minéralogie et des pierres précieuses et des cristaux qui brillent. Ben, merci. On va demander à Lorraine de venir lire un autre extrait sur... On se rapproche un petit peu maintenant de l'année 1820. Pour capter les voyageurs, les chamoniards font preuve d'initiative et de débrouillardise, non dénuée de cupidité opportuniste. L'origine peut-être de ce dicton montagnard goguenard, c'est plus facile de traire les touristes que de traire les vaches. L'intendance du Faucigny explique d'ailleurs dans une lettre au ministre de l'Intérieur du royaume de Sardaigne que les aubergistes, les guides et les voituriers se disputent les étrangers comme une proie avec une indécence révoltante. Comment mettre un peu d'ordre dans cette anarchique économie ? En même temps qu'elle plonge la communauté dans un profond désarroi, la catastrophe Amel de 1820 accélère la prise de conscience. Depuis 60 ans, que leur activité existe, les guides n'ont toujours pas organisé le métier. Il n'existe aucun statut, aucune formation, aucun règlement officiel. Juste un fonctionnement d'usage qui s'est installé avec le temps. C'est par le bouche à oreille, leur pouvoir de conviction et leurs états de service que sont reconnus les guides patentés. Le signe d'appartenance à la confrérie est alors un petit carnet en cuir avec un nom, un prénom du titulaire en couverture qui sert de carte d'identité, de CV et de sésame auprès des voyageurs. Une fois la course effectuée, ces derniers y mentionnent leur identité et leur rang et peuvent y inscrire quelques commentaires souvent élogieux sur l'amabilité et les compétences de leur guide. Oups. Mais rien n'empêche n'importe quel berger qui connaît un tant soit peu la montagne ou n'importe quel jeune homme un peu débrouillard de revendiquer le titre de guide pour partir à la chasse aux clients en toute liberté. Rien ne l'empêche d'exercer et de marchander sa prestation à sa guise. Sinon, les admonestations et les intimidations de ses confrères courroucés, l'anarchie, on vous dit. Alors, on a évoqué la catastrophe de la caravane du docteur Hamel, le 20 août 1820, qui est l'événement fondateur de la naissance, qui annonce la naissance de la compagnie. Pour mémoire, enfin, j'imagine que tout le monde a un peu ça en mémoire, mais bon, les conditions sont dangereuses, les guides veulent faire demi-tour, le client insiste, on y va, avalanche, trois guides périssent. Un an plus tard, la solidarité se met en place et c'est donc ce qui va donner naissance à la compagnie des guides de Chamonix. Jean-Philippe Coutet, donc vous dirigez la caisse des secours. C'est ça l'événement fondateur ? C'est plutôt un acte déclencheur, on va dire. C'est le premier acte solidaire qui se dévoile pour les guides. Le roi Sarde ordonne des pensions pour les familles des trois guides et
Et suite à ça, il y a aussi une souscription qui est lancée, qui est assez croustillante, c'est une lettre qui appartient aux amis du Vieux Chamonix aujourd'hui. Mais c'est le premier acte solidaire qu'on a pu trouver jusqu'à maintenant pour des guides. C'est pas encore la naissance, c'est plutôt un contexte que vraiment la naissance de la caisse de secours. La caisse de secours, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, un acte de naissance qui est en 1924, donc plus d'un siècle plus tard. Donc rendez-vous dans 200 ans, dans 100 ans pour le bicentenaire. Dans 3 ans, oui, il y a un autre anniversaire à fêter. Suite à ça, dans le règlement de 21, c'est un règlement qui est beaucoup plus disciplinaire que social. On n'y trouve pas de traces d'une quelconque forme de solidarité. Il faudra attendre 1823 exactement pour trouver un article qui parle de comment utiliser les retenues, les amendes à des fins de secours. Voilà. Ce qui reste très important aujourd'hui, donc, puisque vous avez été président de la Caisse des Secours et vous êtes de nouveau. J'ai été vice-président 4 ans avec Marc Serreuil et je suis président de la Caisse des Secours depuis 2 ans et demi maintenant. Et alors on peut peut-être demander à Gilles pour ces dates donc un peu compliquées. Là, il y a 2 ou 3 dates différentes autour de 1820-1823. Comment est-ce qu'on s'y retrouve? Comment on choisit? Comment tu as choisi les dates à fouiller? Ouais, je ne suis pas rentré dans les détails. Jean-Franck a fait des recherches en plus depuis qui montrent que c'est quand même relativement compliqué. Disons que jusqu'en 1820, le métier fonctionne de manière un tout petit peu anarchique. En 1820, il y a l'accident d'Amel, donc avec trois guides qui décèdent. Et dans le même temps, en 1921, il y a une réunion du conseil municipal qui veut quand même commencer à organiser ce métier. Donc c'est parallèle dans le temps, mais je pense que c'est pas forcément lié. Et donc le conseil municipal décide d'organiser le métier et c'est entériné en 1823 par l'État sarde. Et la vraie naissance très officielle de la Compagnie des Guides de Chamonix peut être fixée à 1823. Mais là, on rentre dans des détails un peu administratifs. Disons que 1821, 1822, 1823, le métier s'organise, le métier de guide devient quelque chose d'officiel et la Compagnie des Guides de Chamonix qui met en place ce métier-là existe. Voilà, en gros. Xavier. Oui, alors, Xavier Chappaz, donc, président d'honneur de la Compagnie des Guides, frère jumeau, comme vous l'aurez compris. Il n'était pas du même côté. Hein, de Gilles. Tu devrais te mettre là et moi là. Ah, sur la photo. Oui, oui, oui. Non, on va pas parler tous les deux, ça serait idiot. Enfin, je voulais quand même te remercier, Gilles. Parce que, d'abord, on voit des têtes connues, on voit des gens qu'on aime bien, on voit des gens qu'on a accompagnés, on voit des gens qu'on accompagne, et c'est un réel plaisir de vous retrouver. Moi, je suis très heureux et je vous remercie. Et puis, c'est une très très bonne nouvelle pour la Compagnie des Guides, ce que tu viens de dire là. C'est qu'ils ont 3 ans maintenant pour faire le bicentenaire. Donc ça va être extraordinaire, 3 ans. Ben non, parce qu'il y a cette année, l'année prochaine, et 1823, c'est toi qui l'as dit. Ouais, ben, mais ben, la première, elle est bien entamée, donc il reste 2 ans. Quoi. Ouais. Ben bon, ça fera 3 fêtes des guides, voilà, c'est ça. Donc ça, il peut faire mauvais temps cette année, il peut y avoir la Covid, et puis après, ben, il y a encore 2 ans. Ben, voilà, bravo. Non, c'est vrai, c'est sympa. Ah ben, voilà. Donc c'est une... Moi, je ne sais pas, ils viennent de tout dire. Moi, il y avait quelque chose qui m'a toujours fasciné. C'est qu'on ait inventé ici la distribution du travail d'une manière équitable et la solidarité. Ça, pour moi, je trouve ça extraordinaire. Imaginez-vous ce fin fond de vallée, en 1820, des gens qui décident de mettre une richesse en commun. Alors, peut-être contraint et forcé,
Il y a Michel Charlet, là, le maire de Chamonix, qui est là. C'était sous, il était, je crois qu'il n'était pas maire à cette époque, mais il y avait ça. Moi, ça me fascine. Et après, de mettre un peu d'argent, alors d'une manière amende, retenue, mais de la mettre pour venir en aide aux familles, c'est exceptionnel. Et ça, je veux dire, c'est vraiment les deux piliers de la Compagnie des Guides. Et quand on préside cette association, j'ai eu la chance, on ne sait pas des fois comment on arrive là, mais c'est une chance. Moi, je croyais que c'était un peu comme une école de ski. J'avais eu la chance d'être l'adjoint de Fernand Mazineau, directeur technique, pendant 10 ans. Et puis, un jour, bon, il s'est passé que certaines personnes m'ont dit « Est-ce que tu ne voudrais pas essayer de te présenter ?» Et on ne gagne pas toutes les élections, hein, j'en sais quelque chose, mais celle-ci, je l'ai gagnée. Et donc, on est président de la Compagnie des Guides. Et là, on ne se rend pas totalement compte au départ. Puis vous avez quelqu'un qui est JP de Voissou, qui est lui le président de la caisse de secours, et qui vous dit « pour ta gouverne ». Quand il commençait par vous dire « pour ta gouverne », il fallait écouter. « Pour ta gouverne, il faut aller rendre visite au maire de Chamonix ». C'était Michel Charlet. Et il faut voir le doyen de la Compagnie des Guides. Et là, c'était Joseph Terre. Joseph Terre était un guide qui habitait les bois, qui devait avoir plus de 90 ans quand on est allé le voir. Et c'était un moment assez exceptionnel. C'était début janvier, la neige, froid. Et on rentre dans sa maison au bois. Pour ceux qui la connaissent, elle est magnifique. C'est une superbe maison de Chamonix. Et on rentre. Et là, on trouve sa fille au coin du fourneau. Et puis, on lui dit, est-ce qu'on voudrait voir Joseph ? Et Joseph Terre était dans la chambre à côté. Et il ne nous a pas reçus ce jour-là. Il ne nous a pas reçus, et moi, quand je suis sorti, je me suis dit, bah, dis donc, il est gonflé, on vient le voir, et il ne sort même pas de sa chambre. Mais il a dit, vous pouvez venir demain si vous le souhaitez. Et bah, on y est retourné le lendemain, et le lendemain, ça a été exceptionnel. Et c'est en ça que je voulais venir, que présider la Compagnie des Guides, c'est exceptionnel d'un point de vue humain. Joseph Terre nous attendait dans sa grande cuisine, une bouteille de vin bouché, des biscuits, et lui habillé. Et quand je suis rentré, j'étais un jeune con. Quand je suis ressorti, j'étais assez chargé parce qu'il m'a dit qu'il faut faire très attention à la Compagnie des Guides. Il faut en prendre soin. Et je crois que c'est ça. C'est cette transmission d'hommes qui ont vécu des choses exceptionnelles et qui, à un moment, la transmettent à d'autres. Et c'est pour ça qu'elle est arrivée à 200 ans. Et elle s'est faite dans la trace des uns et des autres. C'est pas un qui a fait la trace, c'est pas un premier de cordée. Contrairement à ce qu'on peut penser dans le côté présidentiel où il n'y a que le premier de cordée, si moi j'ai pu faire une présidence à un moment qui était un peu différente de maintenant puisqu'on était élu chaque année par un comité, bien c'est parce qu'il y a eu des gens comme Jean-François Collignon, comme Éric Favret qui ont fait partie de cette équipe et d'une cordée. Et je crois que c'est ça aussi. Ça, c'est exceptionnel de pouvoir vivre ça. Et ceux qui sont là et qui... Je voudrais vraiment les remercier. J'ai vu Claire aussi, Claire Thiolière, qui était membre du comité. Et je pense que c'est une équipe, ce n'est pas un mec seul, ce n'est pas une cordée. Le président n'est pas là ce soir. Ben, il y a un président de caisse de secours, il y a peut-être un futur président, et puis il y a un président d'honneur. Donc voilà, c'est ça la Compagnie des Guides. Merci pour le cadeau. Non, peut-être juste un bémol sur ce que vient de dire Xavier. Je ne crois pas que la solidarité et l'organisation du travail de la Compagnie des Guides soient arrivées comme un cheveu sur la soupe à ce moment-là. Vous savez qu'il y avait les montagnes, les alpages, qui étaient déjà des communautés extrêmement structurées. On sait qu'au XIIIe siècle, il y a des papiers du XIIIe siècle, 1380, où il y a déjà des alpages au-dessus d'Argentière qui sont gérés, etc. Il y avait tout le problème de l'eau, les captages des sources distribués dans les maisons, tout ça, c'était des sociétés. C'est toujours aujourd'hui des sociétés organisées. Et donc, il y avait déjà cette façon dont les gens travaillaient ensemble. Si vous lisez aussi le livre des Ravanel, vous verrez que c'est assez bien expliqué. Tout ce qui préexistait et qui était prêt, effectivement, d'un coup, les guides, pourquoi, alors que l'eau, alors que les alpages, alors que tout ça, c'est bien organisé, on a des règlements, on est, etc., pourquoi on ne le ferait pas pour les guides ? Alors, juste deux mots sur le règlement 1821, c'est assez génial, puisqu'à un moment donné, on décide qu'il n'y a d'abord que les habitants de la vallée de Chamonix qui ont le droit d'être guides, ensuite on fait une liste des 46 meilleurs. Voilà, ça a dû beaucoup discuter, on n'a pas tellement de papier là-dessus. Et
Et les guides étrangers, donc, tout d'un coup, qui venaient jusque-là à Chamonix, étrangers, alors attendez, des vallées juste à côté, et peut-être des Suisses, parfois des Italiens, ils allaient en montagne normalement. Jusque-là, ils arrivaient, et puis les guides de Chamonix ne disaient pas grand-chose. Le règlement va mettre un frein à tout ça. Et les guides de Suisse, et, ils n'ont plus qu'à aller ramener leurs clients de Martigny à Chamonix, et dès qu'ils arrivent à Chamonix, ils sont juste conviés à quitter la vallée, à nous laisser les clients et à laisser les guides travailler. Vous voyez un peu le côté quand même un peu extraordinaire. Et tout ça mis, s'il y a des gens qui n'écoutent pas le règlement, il y a des amendes et même des peines d'emprisonnement qui sont prévues. Le règlement est extrêmement strict, extrêmement fort. Quand on lit les trucs, on croit rêver. Carrément, le touriste qui viendrait avec son guide suisse et qui irait quand même montagne par derrière se cacher avec son guide suisse, il est passible d'emprisonnement. On va lui voler tous ses biens, on va lui mettre des amendes. Et tant qu'il n'aura pas payé toutes ses amendes, il reste en prison. Et en plus, il doit payer sa nourriture, les jours de prison qu'il passe en prison. Enfin, vous voyez, tout ça est écrit et on se dit que ça devrait vraiment être une foire d'empagne assez terrible. Il y avait ce besoin d'organisation et parce que ce règlement tombe d'une façon extrêmement brutale. Voilà. Et alors après, pour la petite histoire, donc le vice-intendant du Faucigny, il n'intervient qu'après. Ou en 1822, il commence à travailler, etc. On a plein de courriers, plein de preuves qui relatent tout ça. Et c'est lui qui va faire un premier règlement en 1822, qui va être amendé par ses amis. Il en refait un, qui présente au Sardes. Et là, on ne sait pas qui vraiment va passer d'un règlement de 26 articles à un règlement de 56 articles, extrêmement structuré. Là, quand vous lisez l'usine à gaz du règlement de 1823, c'est... Tout ça est dans le livre. Et tout ça est dans le livre, très voilà. Bien expliqué. Voilà, voilà. Un peu moins bien que toi, mais c'est pas mal. Et donc, merci beaucoup à Xavier Chapaz, que j'ai même pas eu le temps de présenter en disant qu'il avait été un des plus longs présidents de la compagnie, 13 ans et demi, c'est ça, à la tête de la compagnie, et qui nous a donné le programme des 2-3 ans à venir. Donc, merci beaucoup. Et vous êtes content, hein? Voilà, je crois qu'on peut les applaudir et on va... On va voir un film monté par Jean Afanassiev qui raconte aussi cette histoire-là. Thank you.
Donc Jean, il avait pioché dans toutes les images d'archives dont il pouvait disposer et s'était amusé à faire ce collage où on a vu pas mal de gens qui sont dans la salle. D'ailleurs, on voit Hervé Thivierge qui faisait Vénette. Il est là, il y a Georges Payot, Denis Ducrot devait venir, mais il n'est pas là. Enfin, on a vu pas mal de gens. Et donc le montage de café Jean Afanasieff, c'était un peu pour s'amuser. Donc il y a plein de petits tacles comme ça. Il y en a un pour moi d'ailleurs. Et je crois que c'était sa manière de voir la montagne. On voit bien qu'un guide, c'est quelque chose de très 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 singulier, quoi. Et qu'il n'y a pas, on peut pas voir les deux guides. Il y a pas un guide qui ressemble à un autre guide. Il y a 1000 façons de faire le métier de guide. Voilà. C'est ce qu'on a essayé de démontrer. Donc là, je crois que tu vas avoir 3 exemples de gens tout à fait particuliers qui font le métier comme ça sur le bout des doigts. Rester pour échanger avec eux. Non, c'est pas à moi de parler, c'est surtout. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Et donc, on va inviter sur scène Fanny Schmutz, ou Thomas Schmutz, mais. Fanny, qui est la 6e femme à entrer à la compagnie, enfin 5,5, enfin, je crois que Lise est encore stagiaire, donc nouvelle admise à la compagnie. Sam Bauget, qui est pour certains, beaucoup d'entre vous que vous devez connaître, qui est un auteur Guérin, membre de la compagnie. Et Christophe Profi, qu'on ne présente plus, que vous avez vu dans le film. Alors moi, je voulais commencer avec Fanny pour te demander, est-ce que tu es un peu de cette promotion assez exceptionnelle? Ça ne devrait pas être exceptionnel, mais ça l'était. À l'ENSA, sept femmes dans une même promotion. Est-ce que, étant à la compagnie, tu as l'impression d'être l'héritière d'une très, 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 très vieille tradition, ou bien d'être en train justement d'inventer quelque chose de nouveau dans ce monde? Bonsoir. Alors, je suis l'héritière dans le sens où je suis guide. Déjà, à la base, avant d'être une femme, je suis guide. Enfin, non, je suis femme avant d'être guide, mais je suis une guide. Je suis femme guide, mais je suis surtout guide. Par contre, là où ça marque une rupture, c'est sûr, c'est que je pense que mes prédécesseries, les femmes qui étaient avant moi, dur de dire ça. Et Sylviane qui est là, je pense que pour elle, c'était quand même assez compliqué d'être guide, et c'était quand même d'une toute autre époque. Et je pense que là où il y a une vraie rupture maintenant, c'est qu'on est beaucoup de femmes maintenant, enfin beaucoup, on est une trentaine sur 1600 guides. On était 6 sur 50 dans ma promotion, on est 5,5, comme tu dis, bientôt 6 dans la compagnie des guides. Et donc la vraie rupture, c'est que maintenant ça devient presque normal d'être une femme guide, et du coup on est guide, quoi, on n'est plus que femme. Et donc peut-être cette nouvelle époque, c'est d'arriver à la banalité. Oui, finalement, alors on est toujours remarqué, hein, quand on arrive en refuge, quand on est dans une assemblée de guides, c'est sûr qu'on est un peu plus remarqué que les hommes, mais moi j'aimerais en tout cas que ça devienne banal et qu'on soit juste guide parmi les autres et alpiniste parmi les autres finalement. Avec tes beaux yeux, c'est pas possible que ça soit banal. C'est gentil ça. Et alors je t'ai présenté un peu rapidement, mais tu es donc Chirve, ce qui veut dire qu'il y a quelques décennies, tu n'aurais pas pu rentrer à la compagnie. De toute façon, tu n'aurais pas pu rentrer parce qu'il n'y avait pas de femme. Tu es également fille de guide et également alpiniste amateur, on peut dire, très active, hein, puisque tu as des projets d'expé encore. Tu peux nous en parler? Oui, alors moi, c'est vrai que j'essaie vraiment de partager mon temps entre le métier de guide qui me passionne en saison et l'amateurisme d'un autre côté. Donc, que ce soit pendant la saison, j'essaie de me garder du temps pour grimper pour moi. Et en hors saison, j'essaie de partir le plus possible en voyage pour grimper avec les copines, avec Damien, mon mari qui guide aussi. Et voilà, bon, là, c'est un peu compliqué depuis 2 ans, mais c'est ça qui me fait vibrer, et c'est ça que j'ai envie de faire, en tout cas, dans les prochaines années. Je veux juste dire quelque chose avec Fanny. On a un peu les mêmes racines de très loin, puisqu'en fait, on a des liens de parents. Mais surtout, ce qui m'impressionne chez Fanny, et je suis très content qu'elle soit là et qu'elle puisse l'exprimer, c'est qu'elle a changé de direction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle était plutôt destinée à être
professeur des écoles, enfin d'institutrice, s'occuper des gamins. Et non, la passion de la montagne, alors je ne sais pas comment tu as été amené à la montagne, mais sûrement par ton père, donc Manu, mais comment on fait ce virage, qui est un virage à 360 degrés, c'est quand même un choix de vie terrible, enfin terrible, en positif, je dis ça. J'aimerais que tu nous dises quelque chose sur le moment où tu décides finalement d'abandonner les gamins pour faire guide avec tout ce que ça représente. Bah, en fait, moi, j'ai toujours grimpé avec mon papa, avec les copines, avec plein de gens. J'ai commencé la montagne assez tard, finalement. Et ce qui m'a fait changer, c'est simplement déjà que mon métier ne me plaisait pas. Mon métier de professeur des écoles, je ne l'ai fait que 3 ans et ça ne m'allait pas. Et quand je voyais Damien rentrer à la maison, hyper content de ses journées avec ses clients, bah, j'avais juste envie de faire la même chose. Et je ne pensais pas pouvoir le faire, je ne pensais pas être capable, je ne pensais pas un jour pouvoir réussir l'examen d'entrée à l'ENSA. Et voilà, après mon papa était malade et je me suis rendu compte que la vie ça pouvait être court et qu'il fallait faire ce qu'on avait envie de faire. Et j'avais que 25 ans et là je me suis dit non, mais là faut arrêter de faire professeur des écoles parce que ça me plaît pas du tout. Et y a un jour où Damien m'a imprimé la liste de courses, il m'a dit bon, maintenant arrête de m'embêter avec ton boulot d'instit, là tu me prends la tête et remplis ta liste de courses et va au proba, tu verras, ça va aller bien. Et voilà, c'est comme ça que je suis devenue guide. Ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça. Bravo. Alors, Sam Boget, skieur de pentraide, base jumper, guide, alpiniste de très haut niveau, auteur Guérin. Si vous voulez savoir ce qu'il a dans la tête, lisez Sale Gosse, son premier livre. Et si vous voulez savoir comment il voyage, lisez Petit Désastre, son deuxième livre. Mais peut-être écouter ce que Gilles a écrit sur Sam et que Lorraine va vous lire. Sam Boget vit la montagne à 200%. Boulimique de sensations, il est depuis ses années sale gosse, en complicité avec ses potes, Rem et Ruby, un indécrottable chasseur d'émotions fortes. Grimpe, expé, ski de pente, base jump, wingsuit, tout est bon pour flirter avec les limites. Sam est aussi guide jusqu'au bout des crampons. 25 ans de bourlingue, de sommets partagés, d'amitiés indéfectibles, 25 ans dans la marge du monde, en homme libre et responsable. Dans le sillage de Dédé et de Sam, François Calvarin prend goût en hors-piste à la randonnée et à la montagne. Mais en avril 2004, le flamboyant Dédé Rem trouve la mort dans une coulée sur le versant italien du Mont Blanc. La même semaine que deux guides iconiques à des titres divers, Jean-Claude Mosca et Patrick Béraud. Un voile de tristesse encapuchonne les sommets. François Calvarin, à la fois marqué par le drame et happé par une passion naissante, continue son apprentissage avec Sam, son guide. Un beau jour, il me propose de grimper. Je n'hésite pas vraiment, je viens avec un copain. Nous enfilons les chaussons et les grosses pour un week-end de découverte. Les Gaillans, l'arête des Cosmiques, le refuge du plan, l'aiguille de l'Aisne. Et c'est parti pour 18 ans de grimpe, de ski et d'expédition. Un guide qui sait y faire est capable d'emmener son client au bout du monde. Bien loin de la mer des vacances bretonnes de mon enfance, je découvre un univers exaltant. Je ne suis pas vraiment douée, mais je pense avoir une bonne endurance et un moral assez costaud, grâce auquel je vais vivre de grands moments et me découvrir des capacités insoupçonnées. Sam Boget et aussi Christophe Profi, qui prend le relais quelquefois, vont façonner leur nouvel ami et en faire un alpiniste. François soigne sa ligne de course. Profi lui apprend à mieux faire son sac de monchu. La vie de cordée scelle la complicité et dessine de jolis projets. La montagne ne connaît pas les frontières. Oui, petite précision, François, c'est François Calvarin. C'est donc le client type qui est venu un jour à la compagnie des guides de Chamonix, qui a pris un guide. Il est passé au tour de rôle. Ça s'est passé moyennement. C'était pas forcément le guide qui lui a donné envie de poursuivre. Et puis il est revenu quand même parce que la montagne, ça l'appelait. Et il est tombé sur Dédé Rem. Donc c'était le deuxième tour de rôle. Là, il est tombé sur Dédé Rem. Et pour Dédé, avec François Calvarin, ça a été une belle aventure. Et François a découvert la montagne. Il a grâce à Dédé. Et puis après, Dédé
décédé, et ça s'est fait avec Sam, et Sam et Christophe. Donc c'est plutôt, plus que le portrait de Sam, c'était le portrait de François Calvarin, le client type qui passe de guide en guide, et qui maintenant est un ami de tous ces, de ces guides qui sont là, quoi, en fait. Et il voilà. Y a une expression que tu emploies, mais qui m'intéresse beaucoup, c'est ensemble, là, vous vous mettez ensemble pour façonner un alpiniste. C'est comment on façonne un alpiniste? C'est intéressant parce que je trouve que j'ai l'impression que c'est une histoire très actuelle, ça. Ça dit vraiment ce qu'est le travail de guide aujourd'hui. Je pense que c'est Christophe même qui pourra en parler mieux que moi, mais en tout cas, avant de même façonner, je pense que cette histoire de transmission que tu as parlé, c'est hyper important. Parce que souvent, on parle de la transmission d'apprendre, comme toi avec ton père ou avec le mien, où on a appris petit à petit le métier, parce que voilà, il nous emmène dans l'Alpe, et puis petit à petit, on se dit, tiens, on pourrait peut-être faire comme lui, mais pas sûr. Surtout que le mien me disait, non, surtout fais pas ça. Et je pense le tien aussi. Le mien aussi. Et oui. Et petit à petit, cette transmission, elle se passe aussi autour des clients. Et cette chose-là, on n'en parle pas souvent. Et cette histoire de dire, je vais te confier la personne avec laquelle je grimpe. Et on a tous vécu ça, surtout avec Christophe. Où, voilà, on apprend plein de choses, surtout avec Christophe. Mais on se transmet. Le client avec lequel on se sent bien et avec lequel on peut faire des belles choses. Et du coup, de là vient aussi cette histoire que tu parles de façonner. En fait, cette façon, elle se parle d'abord avec les guides et ensemble à s'échanger des choses. Et ensuite, on va partager avec le client. Voilà. Et ça, c'est... C'est quelque chose qui a toujours existé et qui a existé depuis le début, depuis ce qu'on parle de 1821. Et c'est ça le plus important, plus que tout le reste, les bisbilles et le reste. C'est cette énergie-là qui passe entre nous, l'équipe des guides, et le client qui vient et qui va partager tout ça. Voilà, il n'est pas là ce soir, François, pour en parler, mais... Je pense que c'est vraiment important et c'est une chose que tu as réussi avec tes mots. Et c'est ça qui m'a plu. Parce que depuis le début, quand j'ai lu ton histoire, moi, c'est vrai que toutes les dates, etc., j'étais là, oh, j'y comprends rien. Avec Martial, on est là, on a grimpé ensemble, mais en même temps, on n'était pas passionnés par cette histoire du début. Et puis finalement, toi, tu as réussi. Parce que. On a réussi à comprendre que finalement c'était la même chose. La même chose au départ. Et ça, grâce à toi, c'était quelque chose de vraiment super. Voilà. C'est gentil, merci. Et c'était pas préparé, hein. On s'est pas vu, donc on s'était pas préparé. Rien n'est préparé. Christophe Roffy, donc on va pas faire l'injure de vous le présenter, mais je crois qu'on peut juste rappeler que ça a été quelqu'un, je pense, qui dans les années 80 a donné l'envie à beaucoup de gens de faire de la montagne. Moi, j'en fais partie, qui a fait certaines des plus belles ascensions, notamment probablement la plus belle ascension, une des plus belles ascensions du K2. Mais en fait, c'est pas à ce titre-là qu'il est là ce soir, c'est que depuis plus de 30 ans maintenant, hein, tu travailles au quotidien, je crois plus de 200 jours par an comme guide. Et tu n'as pas eu de père pour te dire de ne pas faire le guide. Comment ça se passe, la transmission? Finalement, j'ai retransmis ce que j'ai vécu de mes parents, finalement, à mes enfants. Mes parents faisaient très peu de montagne, mais ils ne se rendaient pas compte. Et moi, j'entends Fanny et Sam et Gilles de parler de leurs parents. En fait, moi, ça a été tout le contraire avec mes enfants. Ça m'aurait fait vraiment très, très peur qu'ils se dirigent là-haut. Donc, je crois que c'est le fait d'être dedans, donc c'est très difficile à exprimer. Mais finalement, je me serais senti... je pense qu'en moi, s'il s'était dirigé... tout aurait été différent. Je pense que j'aurais du mal à le vivre. Et je comprends, je ne suis pas le seul, j'en ai discuté souvent avec d'autres personnes, d'autres parents. Voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. Mes parents connaissaient très... Ils en faisaient un peu. Je me souviens que
Mon père avait fait une course il y a quelques années, il avait fait la traversée des aiguilles de Chamonix, non, la traversée Midi-Plan, avec Lionel Vibeau. Donc voilà, ils avaient un peu des... mais très peu. Et c'est vrai, quand on a des gens très proches, en l'occurrence mes enfants, avec Claudine, bon, ouais, on aurait pu faire différemment, mais les voir là-haut, non. Les voir là-haut, surtout à Chamonix, où on peut être en 20 minutes en plein cœur du massif, non, c'est un piège, quoi. On peut partir de la vallée et se retrouver en 20 minutes dans un endroit hyper dangereux. Non, j'étais pas assez solide pour le... Et c'est vrai que j'ai une admiration pour ceux qui ont eu ce cran, quoi. Alors c'est intéressant parce que tu viens de parler de Midi-Plan et du fait de s'y retrouver en 20 minutes. Et c'est précisément une image que tu as choisie pour la préface que tu as fait à ce livre, l'image de Midi-Plan en 1930, c'est-à-dire avant la construction du téléphérique. Et donc, pour toi, c'est une image qui est synonyme de l'engagement. Donc cette traversée banale aujourd'hui était une image. Alors tu nous as dit que cette très belle préface que tu as écrite comme un rêve que tu as fait pendant le confinement, c'est le rêve d'une montagne débarrassée des téléphériques. Tu nous as dit que à Gilles et à moi que tu avais finalement t'aurais bien rajouté quelque chose. Oui, j'aurais bien rajouté, effectivement j'ai oublié dans cette préface de parler des amateurs, c'est ça. Pour moi l'alpisme amateur est super important. En fait, on parle beaucoup des guides, on parle beaucoup de ceux qui font des exploits, mais finalement, on parle très peu, et même voire dans certains discours, on entend dire que les amateurs prennent des risques. En fait, oui, j'ai oublié j'ai parlé des guides, j'ai parlé des clients, j'ai parlé des gardiens de refuge, et en fait, la montagne, elle vit avec tous ces gens-là, mais aussi elle vit, on a tous été aussi amateurs dans le très bon sens du terme, c'est-à-dire que parfois je me dis, j'aurais aimé vivre la montagne toute une vie en étant amateur. Ça, il y aura un truc à écrire là-dessus. Toute une vie, toi tu as cette chance aussi, comme Gilles, de faire l'alpisme en amateur, mais vivre toute une vie comme ça, je pense que on doit vivre des choses quand même exceptionnelles. Bien sûr, on les vit en tant que guide, mais c'est différent. Et vivre toute une vie en tant qu'alpiste amateur, c'est un truc que je ne pourrais jamais vivre, mais c'est presque un regret. Je me dis que parfois j'aurais aimé faire autre chose. Moi je suis attiré, enfin, comme on l'est tous, j'aime bien essayer de faire de belles choses, entre guillemets. On est sur Terre quelques moments pour essayer de faire ça. Donc je ne sais pas ce que j'aurais pu faire à côté, mais en tout cas, j'aurais énormément aimé aller en montagne pour... comment dire, pour me ressourcer, pour vivre des choses fortes. Et c'est super intéressant parce que moi, tu es une des personnes, quand on a été en montagne ensemble, que je vois vibrer avec amour. Enfin, si c'est un mot d'amateur qui, débarrassé de son contexte professionnel ou pas, s'applique à toi, c'est bien, à quelqu'un, c'est bien à toi. Je te sens profondément amateur en montagne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire qu'être amateur, ce serait peut-être débarrasser un peu de cette responsabilité? C'est une responsabilité lourde d'être guide. Bien sûr, évidemment. Quand on s'est retrouvé avec Sam et Olivier Besson au camp Tega, sous une barre de Sérac, pas vraiment dangereuse, mais quand même angoissante, on était là tous les trois. Et le faire avec un client, ça n'aurait pas été envisageable. Donc on vit des choses encore différentes. Bien sûr que le métier de guide est en quelque sorte, à un moment donné, une espèce d'emprisonnement, parce qu'on a la charge d'une personne. Et quand on part avec un copain comme ça, eh ben c'est, on est aux antipodes, quoi. J'ai vécu avec Pierre Bégin, par exemple, au K2. Ce qu'on a vécu, moi, m'a porté fil en toute ma vie, mais on l'a réussi de cette manière parce qu'on était totalement amateurs, quoi. C'est pour ça que ce mot... Comment ? Non, je veux dire, tu ne vas pas nous dire que c'est une corvée de faire guide, quand même. Une corvée de... Une corvée de faire la cordée, quoi. Non, non, au contraire. Non, bien sûr que non. Pour moi, c'est passionnant, le métier de guide. Ouais. Si j'ai laissé penser ça, je me suis mal exprimé. Mais c'est passionnant. Mais c'est vrai que c'est aussi un manque. Donc, c'est vrai que parfois, si c'était à refaire, je ne serais pas forcément guide. Bien que je vis des choses pour moi qui me portent tous les jours. Mais découvrir la montagne sous un autre angle...
je sais pas, en étant peintre, n'importe quoi, écrivain, jardinier, voilà, plein de choses. Et avoir à côté cette manière d'aller s'échapper, c'est quand même exceptionnel. C'est rare. Tu le retrouves dans ta manière de faire le métier, justement, d'une certaine manière. Tu essaies d'être dans des voies. T'as une manière. La photo dont on parlait tout à l'heure, c'est celle-là. Hein. Donc, traversée midi plan et la nuit du midi derrière, sans téléphérique. Cette photo, elle est géante. C'est vrai, quand on voit ces quatre personnes encadrées par deux guides, avec l'aiguille du midi vierge de tout câble, bon, c'est pas anodin, quoi. Moi, j'ai des frissons à chaque fois que je la regarde, et je trouve que finalement, c'est vrai que quand on voit une photo comme celle-ci, on peut quand même se poser des questions, bien sûr, sur l'avenir. Est-ce qu'on a tout bien fait? Est-ce qu'on n'a pas loupé des étapes? Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de faire autrement? Toujours est-il que, après, avec l'histoire, les choses se passent. Moi, je sais que depuis le premier confinement, par exemple, quand je vais au Mont-Blanc, ça ne m'est plus possible d'utiliser un téléphérique. C'est typique, c'est ce que j'ai vécu sur ce confinement, comme tout le monde d'ailleurs. Pas forcément pour un retour en arrière, mais je me dis, finalement, il faut qu'on arrive à ces choses-là pour se rendre compte de certaines choses. Et avant le premier confinement, je partais régulièrement en grand mulet en passant par le plan de l'aiguille. Maintenant, c'est plus du tout dans ma bulle, quoi. C'est plus du tout dans mon schéma de pensée. Et je pense que là, j'en reviens aussi à l'alpisme amateur, qui lui, peut-être, parfois, peut faire plus attention à tout ça. Parce que quand on est amateur, on y va vraiment par pure passion. Mais le guide aussi, il va par pure passion, évidemment. Mais c'est quand même différent. C'est quand même légèrement différent parce qu'on y va aussi pour gagner notre vie. Et puis on a aussi une chose quand même qui peut être sacrément, qui peut faire sacrément réfléchir, c'est qu'on a quand même entre les mains une vie, quoi. C'est d'ailleurs un peu, moi, ce qui m'avait fait rêver il y a très longtemps. D'ailleurs, c'est même marrant pour moi d'en parler ce soir parce qu'il y a mon frère qui est là, mon frère Dominique. Et je me souviens quand j'avais 12-13 ans, je n'ai jamais écrit, j'ai dû t'en parler à Gilles, à Xavier certainement. Parce que là, on a l'impression, en m'entendant parler, finalement, que le métier de guide, pour moi, c'est pas si important, mais en fait, c'est tout pour moi. C'est le fil conducteur de ma vie. Et je me souviens qu'à Dominique, je me souviens très bien de l'endroit, le lieu. J'avais 12-13 ans, et j'avais dit un jour à Dominique, tu verras, un jour, je serai guide comme de maison. Donc j'étais déjà sur l'aiguillage, quoi. Donc c'était, bien sûr, c'était quelque chose de très fort. Mais, bon, c'est toi qui as mis le sujet, Charlie, sur le mot amateur. Et pour moi, l'amateurisme, c'est vrai que souvent, je voudrais terminer par ça, on dit souvent... Moi, j'ai comme ça une anecdote d'un... bref, la montagne appartient à tout le monde. Elle appartient aux guides, elle appartient aux amateurs, de part égale, quoi. Et c'est vrai que parfois, quand j'entends... Dans certains discours, on dit ouais, faut éviter que les gens prennent trop de risques, donc entre guillemets les amateurs, hein, c'est pas les guides, en sous-entendant que ces gens-là, faut qu'ils aillent vers des guides. Parfois, je me sens un peu mal à l'aise parce que le mot amateur a toute sa dimension, quoi, les respectables. Et c'est vrai qu'après le bas qui blesse, c'est quand on dit oui, ces gens font prendre des risques à d'autres personnes, notamment les secours, donc il ne faut pas aller non plus trop loin. C'est pour ça que parfois, je pense qu'il faut bien rétablir cette vérité, quoi. C'est ce côté dont on ne parle plus, on n'ose plus en parler, quoi. On a tous connu, même tous les guides que nous sommes, avons découvert la vie comme ça. Au début, quand on est parti, on était sans guide. À partir de ce soir, ne prenons plus de guide. Merci Sam. Alors peut-être que certaines personnes dans la salle ont envie de réagir, de poser des questions. Si c'est le cas, je peux me promener avec le micro. Oui, puis il y a pas mal de guides qui sont là. Vous levez le bras. En pleine saison, ils sont venus quand même. Ouais. Dire, il fait beau quand même en ce moment. Alors,
Peut-être, Fanny, une réaction à ce que disait Christophe, entre, puisque tu es à la fois, tu pratiques à la fois comme guide et comme amateur, ou autrice. Alors pour moi, c'est marrant d'entendre parler d'amateurisme et de guide, parce que pour moi, j'ai pas d'enfant encore, je débute le métier. Et pour moi, mon équilibre personnel passe vraiment par garder du temps. Donc, j'organise ma saison de façon à toujours avoir du temps entre mes clients pour pouvoir faire de la montagne pour moi. Et du coup, moi, mon équilibre personnel passe vraiment par garder ma passion pour la montagne pour moi, pour l'amateurisme, que ce soit dans les Alpes ou autre part. Et finalement, j'ai l'impression que quand je retrouve mes clients après une course où je me suis éclatée avec mes compagnons de cordée, avec mes potes ou avec Damien, ou avec, j'arrive vers mes clients bien plus motivée et heureuse d'être là, et j'ai l'impression que moi c'est ça qui me nourrit et qui fait que j'arrive à garder un équilibre, quoi. Sam, réagis aussi. Non. Cet équilibre, tu le trouves comment, toi? Bah évidemment. Évidemment. Merci. Ah, tu veux que je t'en parle, hein? Mais l'amateurisme, c'est la base. Mais c'est un mélange, parce que c'est rigolo, parce que là on est en train de parler de quelque chose en fait qui est... C'est tout ça, c'est lié. C'est-à-dire qu'on est aussi bien, on est montagnard dans l'âme, et puis après, voilà. Il y a un moment donné, il y a un engagement, c'est une espèce de contrat qui se dit pas du tout. La plupart du temps, on est là ensemble avec un client, et puis voilà, on va partir en montagne. Mais le contrat, il existe de partout, parce que le contrat, il est là aussi quand on est avec. Avec ses copains de cordée, puisqu'à un moment, on s'engage dans quelque chose. Quand on est parti avec Christophe, voilà, déjà, il nous a montré le chemin, et ensuite, après, on s'est dit, oui, mais si on part avec lui, si on s'engage dans une montagne, ben, voilà, c'est ce que tu parles exactement dans la préface. C'est, cet engagement, il est là, de toute façon. C'est quand on part dehors et qu'on s'enferme dehors, là-haut, on décide de faire quelque chose et on s'y engage. Et ça... Quand on parle de l'amateurisme ou du métier de guide, c'est quelque chose qui reste, qui est là. Et ceux qui sont en bas le comprennent pas forcément, parce que c'est ce que t'expliques aussi dans le livre. Petit à petit, voilà, il y a des accidents, il y a des choses comme ça qui se passent, et on se dit oula, mais pourquoi des accidents? Déjà à l'époque de Hamel. Mais même maintenant, on est toujours en train de se dire est-ce que vraiment ça a un sens tout ça? Est-ce que ça a un sens déjà d'engager un guide et puis de se dire, bon allez, moi je vais aller là-haut? Est-ce que ça a un sens d'aller grimper ensemble, voilà, quelque chose d'encore plus dur que d'habitude ou de plus, voilà. Et oui, c'est juste ça, cette quête-là où on est tous en train de regarder là-haut et de se dire, ok, est-ce qu'on y va? Ouais, on y va. Et là, à partir de là, une histoire commence. Et on le fait bien. Mais on le fait au maximum. On va le faire jusqu'au bout. Parce qu'il faut le faire bien. Une question? Je vais faire le plus vite possible. Vous y allez? On est là pour discuter. Jean-Franck, tu as quelque chose à ajouter? Oui. Si? Non? Bonsoir. J'ai une question pour Monsieur Profi. J'ai trouvé très très intéressant ce que vous avez dit sur le côté amateurisme, mais au-delà de ça, je vous sens très très chargé en responsabilité. Et j'aime la montagne, mais je n'ai jamais osé monter très haut. Et ma question est comment êtes-vous sûr que votre client est prêt à monter? Il y a probablement un côté psychologique qu'il faut probablement avoir pour être sûr d'avoir cette responsabilité de faire découvrir la montagne à des gens qui ne la connaissent pas et qui ne sont pas professionnels, et voire même pas amateurs. Comment vous savez que ce client est prêt à monter et que ce risque-là, vous allez le prendre avec lui? Bah, toute l'essence du métier de guide est ici, mais puisqu'on parlait tout à l'heure de François Calvarin, on a vécu avec Sam une aventure ensemble il y a quelques années. Moi, je suis un peu le nul dans les années. C'était au Canteng Gris, c'était en 2000, il y a quelques années. T'es comme moi. Et on s'est retrouvé donc pour ce 7000. 2007, 2008, ouais.
on s'est retrouvés ensemble pour ce 7000 et à un moment donné, bon, Sam s'est retrouvé au camp de base. Moi, j'étais avec François donc, dans un des camps d'altitude. Et puis, on a décidé de faire une tentative. Ce jour-là, il y avait du vent, hein, ça soufflait beaucoup. Alors, bien sûr que François, on se connaissait. On va pas comme ça, on se trouve pas du jour au lendemain avec une personne là-haut. Les conditions étaient un peu limites pour aller là-haut avec le vent. Et pourtant, en partant, voilà, on est complètement sûr de revenir. Mais ça, c'est encore un autre débat. C'est-à-dire que moi, personnellement, je pense que c'est la même chose pour Sam et pour Fanny, pour tous les alpinistes. Quand on est là-haut, en fait, on se sent indestructible. On sait qu'il ne peut rien nous arriver. C'est ridicule de dire ça, mais ça reste la réalité. Et qui plus est, quand on est avec une personne dont on a la charge. Donc voilà, on a l'impression que, en fait, tout ça se fait naturellement. On n'est pas du tout des... Ça n'a rien d'exceptionnel. On se connaît, c'est une longue histoire. On ne va pas comme ça du jour au lendemain dans une course. Il y a tout un historique qu'il faut dérouler. Et c'est vrai que le jour J, quand on part, ben notamment on revient au camp Tengri, quand je me suis retrouvé avec François pour partir là-haut, donc à 7000, et on s'est retrouvé, on croise un guide, je crois que c'était un guide russe qui descendait, et ils nous disent, il y a vachement de vent, vous êtes sûr que vous y allez? Et donc nous, on était sur notre truc, tout se passait bien, et en réalité, tout s'est bien passé. Bon, la seule différence, c'est que quand on se retrouve, c'est vrai, avec un ami, moi aussi, j'aime énormément l'alpinisme amateur, et quand on se retrouve avec un copain, ça reste différent. La décision avec Pierre au sommet du K2, elle ne s'est pas faite en parlant, elle s'est faite par un clignement, juste par les yeux, quoi. Savoir si on décidait de continuer pour traverser cette plaque ou pas. Avec Sam, par exemple, au Cantega, sous cette barre, on s'est dit, est-ce qu'on y va ? Bon, ça s'est fait naturellement. Après, quand on a la charge d'une personne, ça reste quand même différent, même si avec un copain, bien sûr qu'on a une confiance totale et on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais avec un client, on a beau retourner le problème dans tous les sens, c'est différent. Parce que le client fait une totale confiance. Il n'imagine pas qu'il puisse... même s'il se doute, bien sûr, que le risque zéro n'existe pas, il fait confiance. Mais ça me fait confiance, et moi aussi, je lui fais confiance, mais l'histoire est différente. Donc bref, en fait, ça a l'air compliqué, mais tout ça se fait normalement, naturellement. Et on fait en sorte que... En fait, on fait en sorte que... Il y a une chose qui est très importante de dire, c'est que notre kérosène à nous, alpinistes, ce qui nous fait avancer et ce qui nous fait rester en vie, c'est le plaisir que l'on ressent à être là-haut. Tout est basé autour de ça. En fait, tout se décline autour de ça. Je crois n'avoir jamais été en montagne sans ressentir une once de plaisir. Ou parfois, si je sentais que ça allait dans cette direction, je ne prenais pas la benne ou je ne montais pas. Mais à chaque fois que je suis là-haut, je sais que le plaisir est au bout, quoi. Donc même dans une situation très difficile, très engagée, le plaisir, c'est vrai qu'il est un peu parfois difficile à cerner, mais il y est déjà, quoi. Il est naissant, il y a quelque chose qui boue comme ça, et on sait qu'au départ, maintenant, on a quelque chose à gérer, un truc difficile, mais ça fait partie de ce qu'on aime avant tout. Ça fait partie de ce qui nous a fait être guide et alpiniste. Donc, en fait... C'est une histoire de confiance, simplement, il faut quand même le reconnaître, il faut aller progressivement avec les gens quand on les emmène et ne pas brûler les étapes, quoi. Ouais, pour répondre à la question, c'est aussi, cette histoire de confiance, elle se construit petit à petit, on parlait de façonner tout à l'heure, oui, on apprend tous à devenir alpiniste, et comme tu dis, tu te demandes un petit peu... comment c'est possible de mesurer ces choses-là. Et ça vient petit à petit, en fait. Ça ne peut pas venir d'un coup. Donc forcément, les balades qu'on va faire, ça va être des balades un peu différentes. Et au long cours, on va pouvoir partir. Et par exemple, cette histoire qu'on raconte en fait dans le livre, c'est donc une histoire de une vingtaine d'années. Ça fait une vingtaine d'années qu'on grimpe ensemble avec François. Dommage qu'il ne soit pas là ce soir, et il nous aura raconté mieux que nous son impression. Mais petit à petit, on se retrouve dans des situations où justement, peut-être, on n'aurait pas voulu être,
Voilà, par exemple, on se retrouve en Antarctique. Je suis en train de kiter, c'est-à-dire que c'est une voile qui nous tire et on fait une traversée pour rentrer depuis les montagnes où on a grimpé vers une base scientifique, donc vers le bord de l'Antarctique. Et il y a 200 km. Et à un moment donné, donc je lui avais dit, voilà, je sais que tu ne pourras pas forcément kiter, mais moi je peux te tirer si tu veux. On fait le petit train derrière. Il y a nos poulkas, donc c'est les luges qui traînent notre matériel de bivouac. Et puis, il y a une voile qui nous tire. Et moi, serein, j'avance vers le cap qui nous emmène dans la bonne direction. Évidemment, c'est le vent qui nous tire de plus en plus vite. Et à un moment, on se retrouve dans un champ de crevasses. Et j'ai rien vu faire. Parce qu'en fait, les crevasses, on ne les lit pas du tout comme dans les Alpes, où on voit certaines dépressions, et même des séracs ou choses comme ça. Là, c'est complètement plat, tout lisse, et d'un coup, on se retrouve, je vois qu'en fait, il n'y a plus rien, et j'entends crier derrière, en fait, que François a perdu son ski dans la crevasse. Donc, et je continue à tirer avec le kite. Donc, j'affale la voile, et donc, on fait le bilan, et on est au milieu des plus grosses crevasses. Voilà. Donc c'est pas la situation où on voudrait se retrouver avec un client, mais pourtant on y est, et on y est au milieu de nulle part, il n'y aura personne qui viendra nous chercher, et ben là il faut faire quelque chose. Donc là on s'arrête, je mets une petite broche parce qu'il y a un peu de glace, donc on peut faire un petit ancrage et au moins on est bien, et je vais voir dans cette crevasse, et j'y vais donc à quatre pattes, encordé évidemment, parce qu'on est déjà encordé tous ensemble, mais j'y vais encorder, et là, je découvre en fait une cathédrale, quelque chose qui est incroyable, parce qu'il y a le ski, il est parti donc juste dans un petit trou, mais par ce trou de souris, j'aperçois quelque chose que j'ai pas du tout envie de revoir. C'est un monstre, c'est gigantesque, et le ski est pendu juste à une, même pas une dizaine de mètres, 5, 6, 7 mètres, pas plus, en dessous. Et je lui dis, je ne vais pas le chercher, ton ski. je ne vais pas le chercher, ce n'est pas possible. Et puis après, alors on a des skis de secours dans la poulka, donc tout va bien. Quelque part, on a pris les skis de secours, on a pris des backups, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs tentes. Si jamais il fait mauvais et que le vent forcit et que la tente est arrachée, on a quelque chose d'autre. Donc on a toujours des choses pour essayer de s'en sortir. Mais pour tout ça pour dire qu'on est là, dans cette situation, et je vois cette crevasse, et c'est à ce moment-là où je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis finalement, tout s'enchaîne très bien après. On a, comme le raconte Christophe, c'est qu'on ne perd pas le fil après. Finalement, avec des bouts de scotch, je mets un piolet et puis deux bâtons pour aller chercher ce ski, et je ne vais pas dans la crevasse parce que je n'ai vraiment pas envie d'y aller. Et du coup, j'arrive à attraper le ski. Et ensuite, avec un petit coup de jumelle, on regarde tout autour et on a réussi à passer le dédale de crevasse et à se sortir du mauvais pas. Voilà, mais c'est juste, donc, c'est le reflet un petit peu de l'image que tu posais à la question. Il y a toujours un moment donné où on se retrouve dans une situation plus délicate que d'autres, mais finalement, on avance et on avance pour essayer toujours de s'en sortir du bon côté. Alors en fait, on a parlé du plaisir, mais on peut parler aussi de la confiance. Et là, Sam vient nous montrer que finalement, cette confiance, en fait, tout ça est rendu possible par tout ce qu'il a vécu avant, par tout ce qu'il a emmagasiné par son expérience d'alpiniste amateur. Et en fait, et donc on arrive sur la confiance. Et donc Sam, il a vécu énormément de choses qui lui permettent ensuite, sur le moment, d'avoir une réaction comme celle-ci. Moi, mon histoire, c'est un peu celle de Sam. J'ai vécu aussi d'autres choses différentes. C'est vrai que moi, la chose qui m'a le plus marqué, c'est au niveau de l'engagement, c'est ce que j'ai pu vivre avec Pierre, au K2. Et c'est vrai qu'après, quand on se retrouve dans plein de situations différentes avec des compagnons, des clients, eh bien, ils sentent tout de suite cette confiance que l'on doit avoir, quoi. C'est-à-dire que dans la pire des situations, que ce soit Sam ou moi, on ne va pas hausser le ton, quoi. Il peut y avoir une barre de sérac qui tombe sur la tête, le ton ne va pas hausser, quoi. C'est-à-dire qu'on a vécu tellement de choses à droite, à gauche, sur des endroits, sur le fil, même plus loin que le fil,
C'est vrai, quand je me suis retrouvé à 18h30 au sommet du K2 avec Pierre, et que la nuit arrivait, ça m'a apporté... C'est même, je ne peux pas vous l'expliquer hein, comme ça, je ne pourrais même pas l'écrire. Ça m'a tellement apporté qu'effectivement, après, tout a été différent. Et c'est vrai que ce qui est extraordinaire ensuite, c'est en fait pour ça que je n'aurais pas pu faire d'autres métiers. Le métier de guide était vraiment en moi. C'est quand on arrive à faire communiquer cette confiance, même dans la pire des situations. C'est-à-dire qu'on sent que la personne qui est avec nous nous fait confiance et nous aussi on le sent, quoi. C'est-à-dire que si on sent que cette personne nous fait plus confiance, on perd tous nos moyens. Enfin, on perd beaucoup de moyens. Mais quand on arrive à créer cette dynamique, je ne parle pas d'une confiance aveugle, hein, mais quand on sent que ce client en face nous fait confiance jusqu'à un certain point, se rend compte des choses, mais il se sent bien, et ben du coup, nous, ça fait l'effet, c'est exponentiel. Après, quand on se rend compte qu'il est dans cette situation, on se dit, ben voilà, je schématise, je veux dire, tout est fait pour que ça se passe bien. Et après, ça va dans ce sens-là, on ne peut pas le trahir, quoi. Mais en fait, cette confiance est synonyme de calme, quoi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une situation incroyable où, quand on fait confiance à quelqu'un, c'est quand même pas rien, quoi. Moi, quand j'ai fait confiance à Pierre par le regard, il aurait suffi que l'un de nous deux dise deux mots. Et tout basculait. Et sans doute... ma vie aussi basculait, certainement. Il aurait suffi que l'un de nous deux dise « Tu crois qu'on y va ?» Ben, c'est sûr que mon métier de guide, je ne faisais plus de la même manière. Et Sam, par rapport à tout ce qu'il a vécu avant, on ne le faisait plus de la même manière. Donc là aussi, on a eu une chance inouïe de vivre ça, quoi. Je crois qu'on peut vous remercier pour ce magnifique moment.